Bonjour à tous, merci d'être là aujourd'hui, merci pour l'invitation. On m'a demandé de vous faire un panorama mondial des opportunités sur les produits transformés alimentaires, ce qui en est de bien, ce qui est absolument impossible, mais je vais quand même essayer de vous donner une vision globale. Et puis la façon dont je vais proposer de répondre à cette question-là, c'est bon. D'abord, je vais présenter évidemment Business France et nos actions très rapidement. Ensuite, surtout vous présenter quelle est notre méthodologie pour répondre à ce type de questions, parce que c'est notre travail tous les jours d'aider les entreprises et les fédérations à prioriser leurs actions internationales. Ensuite, je vous donnerai un peu les résultats justement de cet exercice-là sur les produits transformés. Enfin, je vous montrerai quand même quelles sont les différentes typologies d'actions que propose Business France pour vous aider justement à aller gagner des parts de marché sur ces opportunités-là. Donc, rapidement, bon, j'ai introduit les présentations comme ça parce que j'aime bien ce graphe que j'ai trouvé sur Internet. On a 9 points, donc très rapidement, c'est juste pour montrer la prise d'importance du commerce extérieur dans le PIB mondial pour export, donc sommet sur le PIB mondial. Alors, ils sont amusés à constituer ça depuis le début du 7e siècle, j'ai trouvé ça amusant. Mais c'est pour dire qu'aujourd'hui, plus de 60% du PIB mondial est fait sur le commerce extérieur, ce qui fait que justifier la beauté de notre mission, vous aider à participer à ça. Les trois missions de Business France, rapidement, en fait, Business France est née le 1er janvier 2015 de la fusion entre Ubi France et l'AFI. Ubi France, l'agence française pour le développement du commerce extérieur. AFI, l'agence pour l'envoi d'attractivité du territoire et attirer des investisseurs internationaux en France. De ça, on sont sortis deux missions historiques, l'export ex-Ubi France, Invest ex-AFI, et une troisième mission qui nous a été confiée par le Quai d'Orsay, qui est la promotion, l'attractivité et l'image économique de la France. À travers une campagne de promotion d'une promesse qui s'appelle Creative France, qu'on porte sur nos pavillons, notamment Pavillon France sur les stades internationaux, qui est aussi portée dans certains pays cibles sur les supports médias, que vous pouvez trouver dans certains aéroports, dont Charles de Gaulle, à Dubaï et dans pas mal de destinations comme ça. Mais le gros de l'effectif de Business France reste sur l'export, donc ex-Ubi France, parce que sur à peu près 1600 personnes, je pense qu'il y en aura à peu près un peu plus de 1000. Même plus de 1000 qui travaillent sur la partie export, donc c'est historique. Sur l'agroalimentaire, donc sur l'export, on est par secteur. Moi, je travaille au sein du département agro, qui couvre l'amont, les vins spiritueux et les produits alimentaires. Mon périmètre, moi, c'est les produits alimentaires. J'ai une équipe à Paris d'une vingtaine de personnes. Mais en gros, à savoir que notre mode de fonctionnement, c'est que nous avons un réseau régional qui est multisectoriel. Certains connaissent peut-être le grippage ici, qui est notre délégué régional. Une équipe à Paris d'experts sectoriels et surtout un réseau international. On a 86 bureaux dans 70 pays. Et là, c'est là que sont nos collaborateurs sur qui on s'appuie pour faire remonter des infos du terrain. Donc là-dessus, sur l'agro, dédié à l'agroalimentaire, on a en tout une cinquantaine de personnes à Paris, si on inclut le vin et l'amont, et 200 personnes en tout dans le monde, 150 personnes à l'étranger sur qui on s'appuie au quotidien. Donc spécialisé à donc pour répondre à la question qui m'a été posée, en gros je voulais vous présenter quelle est notre méthodologie parce que nous c'est notre problématique au quotidien, c'est-à-dire qu'on aide des entreprises, des fédérations professionnelles, des organisations, des institutions à différents niveaux de leur projet, mais la question clé, cœur, c'est toujours en gros j'ai tant de moyens, où est-ce que je les mets parce que le monde est vaste, les opportunités sont nombreuses, donc on aide à pas mal à prioriser, c'est un très beau travail de diagnostic qui est fait, surtout par les équipes à Paris, après on renvoie les gens vers nos équipes. Sachant qu'on peut tous passer un peu de temps, moi-même j'ai travaillé au Liban, au Brésil, et puis toutes les équipes ont travaillé un peu partout. Premier indicateur, je passe très vite parce que j'ai pas beaucoup de temps, mais évidemment, avant de se poser la question de où est-ce que j'exporte, on se pose la question de quelle est ma structure, donc quelles sont mes forces, mes faiblesses. Donc là, en gros, hein, c'est un topo assez général sur qu'est-ce que l'export alimentaire en France. Savoir que l'agroalimentaire, c'est quand même 98% de PME. 27% du chiffre d'affaires à l'export. Et puis selon les typologies d'entreprise, évidemment, on n'a pas du tout la même part du chiffre d'affaires à l'export. Donc voilà, c'est selon la maturité du projet, on n'a pas les mêmes réponses. Et puis, rappeler aux entreprises qu'on a une particularité très française, c'est qu'on a beaucoup de signes de qualité au-delà de ce qui est européen à OP. Et que du coup, si on bénéficie en fait de ces cycles-là, il y a vraiment des stratégies spécifiques. Très rapidement, je rentre dans les indicateurs macroéconomiques, donc pour être plus gros, plus petit. Indicateurs macroéconomiques non sectoriels, donc là,
le basique, hein, croissance du PIB, démographie, ce genre de choses. Mais en gros, même si ça paraît très généraliste, c'est déjà quand même un premier prisme pour se dire, ok, est-ce que ça va être plus ou moins compliqué d'aller sur ce pays, quelle est sa situation. L'environnement des affaires, évidemment, donc ça je vous brosse des trucs très généralistes pour commencer, mais c'est pour bien comprendre la démarche. Sur l'environnement des affaires, on va commencer à rentrer dans un peu plus spécifique sur, bon, pays des parapluies, sur d'autres choses, c'est pas encore du macro, mais sur la notation COFAS, quel est le risque pays, facilité à faire des affaires, ce genre de d'indicateurs-là qui va permettre de comprendre quelle est la mesure des efforts qu'il faut faire. Par exemple, moi j'ai travaillé au Brésil, même si les indicateurs macro à l'époque étaient bons, il y a des petits indicateurs comme ça qui montrent qu'en réalité, si on veut travailler au Brésil, il faut être capable d'y aller 7 fois par an, avoir un certain budget. Il y a pas mal d'entreprises à qui on disait, avant le Brésil, regardez la Belgique par exemple, quand ils voulaient commencer à exporter. Donc ça, j'expliquais ça. Ensuite, sur la partie macro, on a du macro sectoriel. Donc, quand même se demander, quand on veut exporter des produits français, qu'est-ce qu'on porte ? Parce que tout exportateur de produits français porte en fait, la France à l'international. Et qu'est-ce que c'est la France qui exporte des produits alimentaires ? L'agroalimentaire en France, c'est un solde quand même qui est positif et qui est en croissance. Après, on entend, on dit beaucoup que notre économie se distrait sur le même secteur, c'est vrai. L'agroalimentaire, là, a quand même eu un sacré rebond. Ça reste un solde positif, le troisième derrière l'aéronautique et la chimie cosmétique. On parle toujours par l'énergie. Hein. Et puis, c'est évidemment, vous prenez générer un petit emploi, ça tout le monde le sait. Mais déjà, on voit que si on enlève les poissons et les produits laitiers, qui à eux deux représentent 48% de nos exportations, en fait, le solde est déficitaire. Donc, ce qui nous amène à toujours aller voir un peu plus finement. Autre chose aussi qui est intéressant de voir, c'est que nous, on a beaucoup d'entreprises qui viennent voir et qui veulent exporter. Et souvent, quand on pense export, on pense Chine, États-Unis, Brésil, Singapour. Mais près de 70% de nos exportations de produits alimentaires sont faites sur les pays européens, de l'Union européenne. Et puis, je vous dirai après une très très grosse part en fait, sur les pays limitrophes. Alors là, vous aurez de toute façon, c'est super bien, je crois. Vous verrez par catégorie, en fait, la part d'Europe ou non-Europe est très différente. Pardon. On voit sur les vins que c'est un peu plus de tiers que d'Europe. On voit par exemple sur les produits et d'épicerie que c'est l'inverse, c'est plutôt du 80-20 sur. Dans la même veine, quand on regarde un tout petit peu plus finement qui sont nos clients, comme je vous disais, on voit le top 5 des clients alimentaires français, là, c'est qui ? C'est l'Allemagne, la Belgique, le Royaume-Uni, l'Italie et l'Espagne. Donc, bon, ok, on a une mer qui nous sépare du UK, mais ça reste quand même presque un limitrophe, on a un train qui nous dit directement. Et puis on voit pareil des profils en fait, d'achat de produits alimentaires français qui sont différents selon les pays. Là où l'Allemagne, en fait, vous achetez évidemment beaucoup de produits alimentaires, notamment de fruits et légumes, de produits transformés et un peu de vin. Alors le Canada va acheter beaucoup plus de vin alimentaire, etc. Ça, pour vous montrer quoi, c'est que oui, nos premiers clients sont en Europe, ils représentent une très très grande partie de nos exports. Néanmoins, si on regarde tous les clients tiers, et la Suisse est un client tiers, la Norvège est un client tiers, mais si on regarde tous les clients tiers, c'est-à-dire vraiment au lointain des marchés grands exports, comme on les appelle, sur la plupart des produits alimentaires, on voit que sur la plupart des catégories, on est en croissance. Donc, si on regarde les États-Unis, la plupart des catégories sont en croissance. La Chine, pour les produits de sont faire un peu, mais ils sont en croissance. L'Algérie, qui est un très gros client pour les céréales et les produits de lait. Le Japon, pour les produits transformés, etc. Ensuite, là on était sur du macroéconomique, on est passé du macro vraiment économique à du macro-éco-sectoriel. Maintenant la question, sachant encore une fois que tout ça, ce sont des stats, et nous on utilise les stats pour poser des questions. Elles sont importantes pour poser des questions, mais le plus important, c'est une fois qu'on a la question, c'est les réponses que nos collaborateurs peuvent donner. Si on a fait une analyse sur le sectoriel, on a voulu créer un indicateur parce que quand on observait les exportations de produits alimentaires français dans le monde, on regardait les grandes catégories historiques, c'est-à-dire les céréales, les vins spirituels, les produits laitiers, les viandes, les fruits et légumes. Hein. Et en fait, on se rendait compte que, en tout cas en 2013-2014, quand on a créé cet indicateur, sur beaucoup de ces catégories-là, à part les produits laitiers, finalement, les performances n'étaient pas très bonnes. Donc on disait, finalement, les produits français, lorsqu'on on passe par une phase un peu compliquée parce qu'on est cher, parce que la saucisse. Sauf que nous, au quotidien, en fait, dans les entreprises qu'on accompagne sur le terrain, on voit qu'il y a des bonnes performances. On a beaucoup de produits français qui augmentaient, qui aidaient les parts de marché. Vous voulez avoir un indicateur qui montre ça. Et on a trouvé un indicateur qu'on appelle produit gourmet, qui rassemble, enfin, c'est pas un truc qu'on a créé juste pour avoir raison, c'est quelque chose qui est un indicateur qui est significatif, qui rassemble en fait les produits. Donc ça a été un gros travail, et là, on a pas mal maltraité.
été un stagiaire pour ça d'ailleurs ou quoi, mais c'était un gros travail de rassembler des codes, tous les codes douaniers de produits de nos clients qui sont vraiment représentatifs de la française à l'international. C'est-à-dire le produit qui fait que un Brésilien ou un Américain il dit ah ça c'est l'image de la France. Pas que la Tour Eiffel, mais c'est quand même l'image de la France. Donc là-dessus, en fait, on a fait un indicateur qui représente à peu près 6,7 milliards d'euros d'exportation en 2015, ce qui en fait est à la hauteur des produits laitiers et des céréales, donc c'est significatif, qui est composé en gros un quart de boulangerie, viennoiserie, pâtisserie, donc tout ce qui est BVP, incluant les préparations pour la boulangerie qu'on vend en compte, enfin, vous devez le savoir, les chocolats, qui est un poste d'exportation important, donc c'est-à-dire un quart de tout ça, c'est quand même des chocolats, les fromages dits fins, c'est-à-dire pas les fromages ingrédients, les fromages représentatifs de l'offre française, aucune offense pour les fromages ingrédients, qui sont aussi très, très porteurs de nos exportations, mais ce n'est pas le but de l'exercice, les préparations de viande, pareil, qui sont porteurs de l'image France, les fruits et légumes premium, c'est de l'ail rose, ce genre de choses, les confitures nettes, confiseries, condiments, les cafés et thé. On voit là-dessus qu'on a fait, sur cette catégorie-là, sur les 5 dernières années, plus 10% en moyenne par an. On voit que sur l'Europe, on a fait en 6 ans plus 30% d'exportation, et qu'aujourd'hui, on en est à plus d'un milliard d'euros sur ces 6,7 exportés vers les pays tiers. Alors là, c'est le graphe que vous voyez sur votre droite. On voit des zones de type l'ASEAN qui, tout d'un coup, en fait, sont apparues en 2011 dans nos clients qui sont en croissance. L'Amérique du Nord, qui est très importante. Le Proche-Orient, on va revenir sur ça. Ensuite, là, je ne vais pas dire ça, c'est juste pour vous dire que quand on se pose ces questions-là, on va un peu plus en avant. Donc, on récupère tous ces indicateurs et par produit et par pays. En gros, on essaie de faire des diagrammes de quelles sont les opportunités. Et quand on parle d'opportunités, il faut aussi parler de barrières. C'est pour ça que nous aussi, on travaille de façon très connectée avec la Direction Générale de l'Alimentation, avec France Agrimaire. On a aussi un service réglementaire chez nous. C'est qu'on est en observation permanente de l'évolution des barrières, qu'elles soient sanitaires ou tarifaires sur les marchés, et de leurs ouvertures. Donc, on est capable de faire des diagrammes comme ça qui viennent alimenter donc les indicateurs et les diagnostics pour dire en gros, c'est facile, c'est pas facile, c'est compliqué d'aller sur ce pays. Là, c'est très simpliste, évidemment, là, en plus de détails, mais là, c'était pour donner là, c'est des choses qu'on fait pour faire du visuel. En gros, pour un produit, bah, non, les ingrédients en Australie, j'oublie, voilà, sur telle typologie d'ingrédients. Par contre, voilà, sur les produits gourmets en eux-mêmes, je peux y aller. On s'interroge aussi sur quels sont les circuits de distribution. Là, on sait très bien, c'est très facile aujourd'hui sur beaucoup de pays d'aller avoir des données consolidées, des informations consolidées sur la GMS. Par contre, on ne sait pas, on a beaucoup de mal à avoir des informations consolidées sur le terme de restauration. Tout ça, ce n'est pas pour vous viser, vous l'aurez en support. De toute façon, c'est pour vous montrer le type de tout qu'on fait. Et puis, comme je vous le disais, le plus important, une fois qu'on a posé toutes ces questions, avec toutes ces stats, tous ces indicateurs, toutes ces données, c'est arriver à poser la question. Et à qui on pose la question? Et c'est ça qui est notre force aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on pose la question à nos collaborateurs qui sont en gros, qui sont sur le terrain, qui sont au contact des opérateurs locaux en permanence, spécialisés sur l'agroalimentaire. Et là, c'est un document qui est exporté, qui est gratuit, qui vous invite à télécharger sur notre site, qui vous donne un panorama alimentaire sur tous les pays qu'on couvre, avec un petit encart de ce que dit notre conseiller là-bas, mais c'est pour montrer que lui, par exemple, Olivier Dardenne en Corée du Sud, en ce moment je travaille sur un projet pour la charte poterie là-bas, et ben, je lui pose la question, tous ces indicateurs me permettent de poser une question, et il dit, voilà, tel produit oui, tel produit non, tel circuit, c'est plus ou moins compliqué, il y a tant d'opérateurs qu'on peut joindre, un produit ça se fait pas en tant de temps, voilà la part de marché qu'on peut toucher, etc. Puis après lui il est capable de mettre en contact. Le résultat de tout ça, c'est qu'on est capable de faire des diagnostics, de faire un marché de produits. Là, je vous ai mis un exemple de priorisation, on a travaillé avec un opérateur de la confiture, on a mis tout ça ensemble, on met aussi des notes sur des indicateurs qualitatifs, pour en gros lui dire, essayer avec lui, sur un indicateur tridimensionnel, assez simple encore, bon, voilà, lui il arrive, il dit, bah, j'ai envie d'exporter partout, mais j'ai que tant de budget, et j'ai que tant de personnes pour le faire. Bah, d'accord, on lui dit, il faut déjà cibler 3 pays sur la première année, bah, on les a ciblés, on fait Australie, Royaume-Uni, Allemagne, il n'est pas d'accord avec l'Allemagne parce qu'il n'aime pas ça, du coup, finalement, on envoie au Mexique. Mais en gros, encore une fois, c'est un outil de discussion, c'est pas la vérité, il n'y a pas de vérité qui sort de ça, c'est un outil de discussion. Donc, c'est la méthodologie que j'ai employée pour répondre à la question qui m'a été posée. Je ne pouvais pas, il me reste plus de 18 minutes peut-être, je ne pouvais pas couvrir le monde, évidemment, donc j'ai arbitrairement pris certaines zones, parce que nous, on fait ça tous les jours, donc par rapport aux discussions qu'on a en ce moment, quels sont vraiment les pays sur lesquels on a des performances positives, et puis
sur lesquelles je voulais insister aujourd'hui. Alors oui, il y a des choses dont je ne parlerai pas. Je ne parlerai pas de Dubaï alors qu'on a parlé d'exportation, je ne parlerai pas d'Italie, je ne parlerai pas d'Espagne, mais je vais parler de Google. En gros, là, juste pour vous dire que ce qu'on sort de ces analyses-là aussi, c'est une carte du monde, en gros, très simpliste avec des niveaux de priorisation pays. À quoi ça nous sert ça? C'est que nous, on est un opérateur aussi qui fait pas mal d'événementiels, donc on accompagne les entreprises sur des pages en France, sur des rencontres, sur des rencontres B2B collectives. On fait venir des acheteurs internationaux. Et comment on priorise nos actions? Par rapport à notre analyse préalable. Donc pour l'année d'après, on dit voilà, il faut absolument que j'ai des actions sur les pays en vert. Il faut aussi que j'ai des actions sur les pays en jaune, et si j'ai de la place, on fait sur les pays en rouge. Ça, c'est le truc très simpliste. En réalité, aussi, on a beaucoup de remontées de monde qui viennent du terrain, type un acheteur argentin qui dit, moi, voilà, le pays s'ouvre, je veux des fromages et des confitures françaises. Du coup, nous, on essaie de voir ce qu'on peut monter très rapidement pour trouver des opérateurs français. Des relais de croissance sur tous les continents. Donc là, je ne pouvais pas enfoncer plus une porte ouverte, mais déjà, tout d'abord, je voulais vous parler évidemment de l'Europe. Comme je l'ai dit, c'est notre premier client, de très loin. Et si vous mettez la Belgique et les Pays-Bas ensemble, donc les Béné, les Benelux, c'est notre premier client à l'international. C'est devant la nuit. Je voulais, rapidement, j'étais encore la semaine dernière en Belgique sur le salon Tafoleur, on est en France, à Courtrai. Et là, on a beaucoup d'entreprises en fait, qui font des performances extraordinaires sur la Belgique. Et puis, encore une fois, un petit marché commun dit c'est quand même beaucoup moins compliqué d'amener des produits en Belgique. De vue logistique évidemment, que de les amener à Shenzhen. Donc la Belgique, rapidement, c'est qui? C'est nous, la France, on est le deuxième fournisseur de produits alimentaires de la Belgique. Un quart des produits alimentaires importés par les Belges viennent de la France. C'est le premier consommateur mondial de produits français. On est la première destination touristique, donc évidemment l'image est facile à porter. Plus de 11% du PIB est fait sur la distribution, ce qui est beaucoup. Sur la fréquentation restauration et hors domicile, enfin, restaurant, il a été mesuré, donc ça a été rappelé, on a des mesures que la fréquentation est 1,5 fois la fréquentation française, donc des très gros circuits Horeca. Des groupes français leaders dans la distribution, dans les deux circuits, Carrefour, Intermarché, Sodexo et plein d'autres, qui portent, on sait qu'ils ne jouent pas toujours forcément le jeu des produits français, mais ils essayent, puis de toute façon, ils portent aussi une image France qui bénéficie des transporteurs français. Et puis sur les tendances, grosse tendance MBD, une explosion du bio, plus 75% de chiffre d'affaires réalisé en 3 ans, et beaucoup de commerces de proximité, donc pas de très très gros magasins, plutôt des commerces de proximité, avec une part importante de la FSC. On a parfois l'image de la Belgique d'un marché prix, c'est plus vrai sur les Pays-Bas. Sur la Belgique, il y a quand même un marché aussi pour le local. Si on regarde dans nos performances, c'est notre premier acheteur de viande transformée, presque un quart de ce qu'on exporte vers la Belgique. Alors quand je mets le YOY, c'est year-on-year, donc c'est 2015 versus 2014. Le CAGR, c'est la croissance moyenne sur les 5 dernières années de par an. Donc c'est déjà notre premier client, et en plus de ça, sur les 5 dernières années, on croît de 2% par an, et on a fait 3% cette année. Donc, en gros, ça marche très bien. Chocolat Paris, c'est notre deuxième client, 15% de ce qu'on exporte vers la Belgique. Là, on a fait 23% cette année, on a une très très bonne performance sur le chocolat un peu partout. Et sur la BDP, pareil, 15% de nos exportations. Un autre client important, les Pays-Bas, qui est plutôt un client type plateforme, qui est plutôt un client prix, qui a une typologie différente. Pareil, on est le quatrième fournisseur des Pays-Bas, on représente aussi 25% pardon, de leurs importations de produits alimentaires. Les Pays-Bas, c'est un peu un des winners en Europe, avec une croissance tout court, déjà c'est pas mal, un chômage très bas, mais un budget alloué à l'alimentation qui est très bas, de 10%. En France, on est déjà à 14%, je crois, maintenant, ce qui a beaucoup baissé, là où les Japonais sont près de 25%. Donc, une recherche de prix. On reste quand même leur première destination touristique, mais les Pays-Bas, c'est un marché plateforme, quand on regarde leur performance et l'exportation, elles sont très largement supérieures à ce qu'elles sont capables de produire. Il faut toujours, encore une fois, prendre les chiffres avec précaution. Mais avec Rotterdam, qui est le premier port européen, Schiphol, qui est le troisième fret, l'aéroport d'Amsterdam, troisième fret européen devant Charles de Gaulle. Mais quand même, au niveau de la consommation locale, l'émergence d'une culture gastronomique via, en France, les émissions de télé, les chefs, etc., font que les gens recherchent les produits transformés haut de gamme. Pareil, tendance bio, bénéfice santé, développement durable, et puis un focus très important sur le bien-être animal. Donc, l'administration, c'est de travailler sur les produits carnés. Les Hollandais sont très regardants sur
c'est bien, très bien. Pareil sur la vente transformée de chocolat à BVP, je ne vais pas rentrer dans les détails de ces chiffres, l'objectif c'est que vous les ayez en main. C'est pour vous dire qu'on a des performances importantes parce qu'on fait des croissances moyennes. Par exemple, sur la BVP, vous voyez à 6% par an sur les 5 dernières années, ce qui est énorme hein, quand on se dit que c'est notre 6e client sur une catégorie qui représente un quart de presque 7 milliards exportés. Un autre marché, 4 marchés, donc un gros marché en Europe qui est important, c'est les pays nordiques sur lesquels on travaille énormément. Un marché alors, assez fascinant parce que quand on voit pays nordiques, c'est des pays à haut revenu globalement, comme ça des disparités. Et on pense du coup que produit haut de gamme, produit cher. Non, en fait, il y a un marché sur les nordiques aussi pour le mass market, il y a même une recherche assez importante. Par exemple, nous faisons une émission avec le Danemark, les Danois en fait ne comprennent pas pourquoi quand on approche le marché, les Français approchent le marché danois, on parle aux Espagnols, Italiens, etc. On sait ce qu'on va faire très bas, mais en fait ils vont arriver que les Français qui ont des produits très haut de gamme, avec la recherche aussi, il y a un marché pour ça, mais il dit pourquoi, il nous disait, peut-être des importateurs, c'est pourquoi on n'a pas plus d'entreprises qui viennent avec des produits mass market, que finalement quand on fait nos tournées, on retrouve des produits français comme ça en Allemagne, on retrouve des. Et puis au niveau logistique, finalement, c'est pas très compliqué, ces pays-là. En gros, ils passent tous par les pays-bas, quasiment. Donc si on regarde les 4 pays, c'est 25 millions de consommateurs. Si on regarde évidemment les notes offertes, le volume business, etc., tout est parfait. Tous AAA, le PIB par habitant est supérieur à celui de la France et de l'Allemagne. Ça ne va pas vous étonner, une forte recherche aussi de diversification sur le développement durable et le bio. Recherche de partenariat dans la durée. Bizarrement pareil, on a une image de pays à forte rotation en fait, de gamme. Et ce que nous disent les importateurs, c'est qu'au contraire, eux, qu'ils ont du mal à trouver en fait, des exportateurs qui sont avec les arrivées à travailler dans la durée et de pas mal d'exigences sur la livraison. Pour vous dire, la Suède qui est le plus gros des marchés est dans le top 10 de toutes nos exportations. La zone, c'est 4% de nos exportations alimentaires mondiales et avec une croissance sur le marché du produit gourmet de 4% par an depuis la semaine. Je suis très en retard, ça va. Je parle très vite, pardon, mais je ne sais pas trop faire. Sur l'Europe, enfin, on a plein d'autres pays qu'on aurait pu aborder. J'ai voulu aborder la Pologne parce qu'en ce moment, on parle beaucoup de la Pologne qui est aussi un peu un winner européen qui fait une croissance de plus de 3%, ce qui n'est quand même pas très commun en ce moment en Europe, qui représente quand même 40 millions d'habitants, qui a encore gagné une note sur le risque pays, donc qui a encore gagné un cran sur la COFAS, l'ARMS qui est la même chose, qui n'est. Où on n'a que 4% de part de marché sur les importations de produits alimentaires, ce qui est trop faible, vraiment trop faible par rapport à ce qu'on peut faire en Pologne. Et on est donc le 7e fournisseur de produits alimentaires pour la Pologne. La Pologne, c'est vraiment le nouvel émergent européen avec une diversification très forte sur les recherches de produits. Alors oui, la Pologne, pendant longtemps, c'était un marché de prix. On cherchait plutôt des prix, surtout des produits assez matières premières peut transformer en plus frais. Aujourd'hui, non, c'est vraiment en train d'évoluer. Nous, quand on commence à mettre des entreprises françaises là-bas, les opérateurs là-bas nous demandent de plus en plus de produits transformés, avec un boom des convenience stores, donc des commerces de proximité en fait, qui exposent là-bas et qui recherchent des produits. Alors, il y a le haut de gamme, et puis dans le haut de gamme, il y a le haut de gamme abordable. C'est-à-dire que ça reste quand même un marché où le niveau de vie est moins élevé que dans les Nordiques. Un gros développement de la LDD, ça on a des on sait faire, et puis du online qui est en train d'exploser dans pas mal de pays. Les Chinois sont encore très loin devant là-dessus, mais en Europe on commence à voir ça au UK, dans les Nordiques, la Pologne s'y met, ils sont très en avance par rapport à la France sur l'online. Et cette année devrait devenir le 3e marché européen de la consommation de pain. Et nous, en fait, quand on voit que 28% de nos exportations de produits transformés, c'est tout ce qui va vers la BVP, forcément on a une opportunité forte. Donc ça commence déjà, on a quelques opérateurs qui y vont. On a déjà fait cette année, enfin 2015, plus de 10% de croissance sur la partie BVP, sur le chocolat 20% de croissance, sur les viandes transformées 85% de croissance, et sur les fromages, j'avais des chiffres, parce que je voulais une réflexion hors fromage, parce qu'on parle pas trop de fromage, ce qui est important aussi, mais voilà, on a fait plus de 15% sur le fromage et plus de 4% sur le beurre. C'est un marché qui est vraiment en appel de produits transformés, de produits français. On a des concurrents, du type Italie, qui est très fort sur ces produits-là aussi, et qui ne nous attend pas pour aller gagner le marché. Rappel, la Pologne, ça reste quand même aussi un concurrent. Un concurrent, ça peut être aussi un très bon.
un concurrent important, mais c'est aussi un client important. Maintenant, si on commence à parler des pays tiers, si on sort de la frontière européenne, États-Unis et Japon, à eux deux, pour info, représentent 36% des exportations de produits alimentaires. Donc, il y a vraiment les États-Unis et le Japon et le reste. Les États-Unis, donc là, je pourrais parler pendant une heure et demie des États-Unis, mais je vous répondais. Mais on a, pareil, des performances très bonnes, comme sur toutes nos destinations principales sur la BVP. Chose assez rare sur une catégorie, c'est notre premier client, parce que c'est rare d'avoir un pays tiers comme premier client, c'est sur les condiments, tout ce qui est huile, sauce et autres condiments. Un tiers de nos exportations vont vers les États-Unis aujourd'hui. Donc même si c'est un pays qui a des barrières sanitaires compliquées pour les fromages, pour les viandes, pour les fruits et légumes, sur les produits transformés, on a des très très bonnes performances. Avec ça, de toute façon, tout le monde est au courant. On le voit dans les médias tous les jours, quand ça ne parle pas de l'alimentation, mais c'est un marché qui se pose des questions un petit peu sur sa façon de consommer, sur l'environnement, sur la praticité, sur l'efficacité de ce qu'on consomme. Une traçabilité accrue à la logique de production, donc qui est quand même quelque part une attitude assez similaire aux attitudes européennes. Encore une fois, pareil, on fait une généralité, les États-Unis, c'est pas un marché, c'est plein de marchés qui ont leur différence, tout comme c'était le cas au Brésil, mais là on passe très vite. Et puis on se voit sur en ce moment un boom, comme il y a eu le boom d'hier au grec il y a 2-3 ans. Maintenant c'est le boom des boissons fonctionnelles qui font des croissances extraordinaires. Et pareil, encore une fois, sur cette catégorie-là, on a des opérateurs français performants. Et on est capable d'exporter, il y a très peu de contraintes sanitaires. Le Japon, on voit, quand on regarde la macro-économie du Japon, que la population baisse, que c'est un petit peu compliqué, Fukushima, enfin, il y a beaucoup de choses comme ça qui sortent. Il n'empêche que c'est vrai que sur certaines catégories, on souffre un petit peu, et notamment sur les catégories qui étaient très fortes au Japon historiquement, type des fromages, on a des opérateurs de longue date sont arrivés là-bas, régulés par le marché comme s'implanté. Aujourd'hui, on a quand même des très bonnes performances sur la viande, sur les produits sur la viande, sur les condiments et sur quelques produits frais, et beaucoup d'initiatives en fait. Porté par le gouvernement français pour toujours augmenter nos performances au Japon parce que ça reste un énorme marché qui a un très gros appétit de produits français et qu'il ne faut pas limiter à des exportations de vins spiritueux comme ça a pu être le cas les dernières années. Le Japon s'ouvre progressivement, comme vous savez, hein, des accords de libre-échange pacifique, des négociations avec l'Europe, des normes qui s'assouplissent. On commence à passer un peu le stade de il faut dans mon usine de production des Japon. Commence un petit peu à se calmer. Une ouverture aussi à un marché monogame. Donc là, pareil, c'est une demande des importateurs japonais de ne pas leur envoyer que du très bien très cher. Et sur les produits carnés, alors là, on a un potentiel immense. Une demande permanente des japonais de leur envoyer plus de produits. Après, pour être honnête, la publication sur les produits carnés, c'est des certifications de site. Et pour les certifications de site en France par les japonais, ils sont très touchy. Le marché chinois, je ne peux pas ne pas en parler. La question du moment, est-ce que le moteur chinois est prime, et puis je parle un petit peu de Hong Kong, ça reste quand même des croissances qui sont astronomiques quand on a déjà vu la base de Pampa et puis quand on compare la croissance à nous, ça reste une population, évidemment, c'est déjà une option de rappeler, immense, donc le potentiel est énorme. Sur la notation qu'on fasse, bon, le risque pays, il est quand même assez important sur la Chine, hein, on a encore du mal à assurer des opérateurs. Mais on continue quand même à surfer sur cette confiance sanitaire, cette confiance très faible en les produits chinois suite aux différents risques sanitaires. Donc, bon, les pauvres de l'air vont vous bénéficier. Sur les produits de viande transformée, là, c'est des problématiques d'agrément, de 3, 6 agrément. Donc, ça, c'est un gros travail de la DGAL en ce moment pour qu'on puisse exporter plus. Et puis, un très gros circuit Horeca, parce qu'en Chine, c'est 300 hôtels, 4 et 5 étoiles, et en demande permanente de produits français aussi. Produits laitiers, produits carnés, épicés, produits sucrés. Nous, en fait, on voit en Chine, on va tous les ans, on a un salon de l'Horeca qui est en train de grossir. Et en fait, on voit que dès que quelqu'un met un pied sur ce salon, s'il peut exporter, là, les opérateurs lui sautent dessus. Ça reste quand même un pays avec des barrières sanitaires lourdes. Ne pas oublier qu'à côté de la Chine, il y a Hong Kong. Donc, souvent, on pense Chine, mais Hong Kong est une bonne solution pour exporter ses produits sans taxes, sans trop de contraintes sanitaires. Mais par contre, on n'exporte pas à Hong Kong pour rentrer en Chine. C'est absolument interdit, donc on ne pourra jamais faire la promotion de ça, même si ça existe, des petits coups de bien qui, sur des barques, des tabacs qui rentrent en Chine, ce n'est pas du tout l'esprit.
Mais Hong Kong, ça reste c'est un marché qui est hyper demandeur de produits français. Et sur les produits gourmets, c'est encore une fois sur les 5 dernières années. On fait 10% de croissance par an de nos exportations vers Hong Kong. Je vous invite à aller, si vous êtes allé voir les supermarchés hongkongais, c'est impressionnant. C'est mon objectif. Alors, vous dites, il y a déjà beaucoup de produits français, mais là par contre, une rotation interne assez importante. Et ça cherche en permanence des produits français. Des rayons en Hong Kong, c'est impressionnant. On trouve tout ce qu'on trouve ici, presque. Et à des prix passibles. Parce qu'encore une fois, les taxes sont quasi inexistantes, surtout quand on compare au Chine. Sur la Chine, on a quand même encore des très bonnes performances sur les contenants, sur la BDP. Et puis aussi des catégories dont je n'ai pas trop parlé jusque-là. La Chine, c'est 5% des exportations de confitures et c'est 15% de croissance par an. Et là, il y a un boom pareil de l'appétit pour les confitures françaises en Chine, tant sur le retail que sur l'horeca, parce que maintenant, il n'y a pas un hôtel en Chine qui ne veut pas avoir un petit confiture française. Et il n'y a pas que Bonne Maman qui peut vendre des confitures en Chine, même si ils le font très bien. Il y a de la place pour d'autres opérateurs, il y en a déjà plusieurs qui sont sur le marché. On continue à se promener dans le monde, si on parle de l'ASEAN et de Singapour. L'ASEAN, donc, c'est un ensemble de pays très différents avec cette plateforme Singapour, qui paraît d'un point de vue sanitaire, logistique, plus facile que les autres acteurs, qui est une plateforme qui, là, pour le coup, peut envoyer des produits ailleurs. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas gagner, les opérateurs directement dans les pays après. Quand même, on rappelle, Singapour, notation pour face A1, à faire mieux. Premier pays dans le ranking du doing business. Donc, c'est le pays au monde où il est le plus facile de faire du business selon les rankings internationaux. C'est-à-dire que tout est fait pour qu'on puisse faire du business rapidement et facilement à Singapour. Les routes logistiques sont déjà bien organisées. C'est un très très beau client pour nous. On voit 25% de nos exportations de BDP vont vers Singapour, 39% de confiture, 27% des condiments, 28% des produits à base de viande, sur les exportations tiers, hors. Donc c'est un énorme client qui redistribue, mais pas que. Tendance online et gros appétit pour le free from. Après Singapour, ça reste un petit marché de 5 millions d'habitants. Ce qu'il faut voir, c'est ce qu'il y a tout autour. Alors là, c'est des pays très différents. Et notamment, on a dans cette zone-là, on peut avoir tendance à l'oublier, le plus gros marché réel au monde, qui est l'Indonésie. La Malaisie, qui est le hub du halal dans le monde, qui se veut comme la référence, enfin, c'est les guerres halal, je ne vais pas rentrer là-dedans, on va en discuter si vous voulez après, parce qu'on travaille beaucoup là-dessus. Mais voir que sur certains pays comme la Malaisie, le halal, c'est pas du tout forcément une certification religieuse, c'est aussi un gage de qualité, une approche un peu différente. Donc cette zone-là, très très gros marché halal. Ensuite, si on voit plutôt sur le Vietnam, là, le Vietnam s'est ouvert à la viande et bovine à la pomme française il n'y a pas longtemps, on a fait des opérations là-bas là-dessus. Du coup, le Vietnam est dans un flux énorme d'attrait pour les produits français. Notre bureau est complètement dépassé par des demandes tous les jours d'opérateurs français qui veulent d'opérateurs locaux qui veulent des produits français. Voilà, c'est une zone qui a ses différences. Singapour en est un peu le centre, mais les problématiques ne sont pas tout à fait les mêmes partout, même si Singapour n'a pas un miroir. Parce que Singapour aussi commence à se développer sur le tourisme halal, parce qu'eux, ils sont tournés vers l'Indonésie et la Malaisie, c'est toujours beaucoup de choses. Je suis désolé, je passe très vite sur tout ça, mais je serais ravi d'en parler avec vous après. N'hésitez pas à venir me voir. Sur l'Afrique, donc on parle beaucoup de l'Afrique aussi, donc là j'ai pris un pays hors Afrique du Nord, qui est un peu la proue de nos performances en Afrique, et en Afrique de l'Ouest précisément, parce que c'est un pays qui connaît bien la France, qui connaît bien les produits français, et sur lesquels on a une excellente performance, c'est la Côte d'Ivoire. Alors là encore, le pays s'est restabilisé politiquement, quand on voit sur le petit graphe à gauche la performance de la croissance du PIB ivoirien par rapport à la moyenne africaine, enfin, on voit tout de suite que c'est extraordinaire, c'est quand même presque 23 millions d'habitants, et puis une croissance de 8% chaque année sur les deux dernières années. Classe moyenne large au pouvoir d'achat croissant, donc le classique un peu d'un des produits émergents. On a très grosse demande de diversité de nouveaux produits français en ce moment parce qu'on a un autre type de consommation qui émerge, porté aussi par des opérateurs français. C'est le Carrefour s'est installé donc, à Abidjan. C'est un peu symbolique et il veut des produits français, mais pas que lui. Donc, maintenant, comme lui est là, les opérateurs autour disent que nous aussi on veut autre chose que des produits bruts, que juste des pommes de terre et voilà, des produits simples et quelques produits laitiers. Plus de 500 boulangeries à Abidjan, donc on a raté la part du BDP sur une exportation, et puis un autre point important des franchises. Aussi, à l'image du marché chinois, une tendance très forte sur pas mal de pays d'Afrique, c'est sur les produits laitiers. Donc on a historiquement les exportations de fromage,
de poudre, un peu de beurre, mais on a une tendance croissante sur les exportations françaises de lait liquide, qui en fait, alors, ça peut paraître absurde parce que le transporter du lait, c'est transporter beaucoup d'eau, donc ça coûte très cher, mais en fait, on a des exportations, des importations très importantes de lait liquide parce que c'est quelque chose que les consommateurs recherchent et qui les rassure. Pour info sur les produits laitiers, la France, on exporte 7 milliards d'euros de produits laitiers, mais les entreprises françaises implantées à l'international réalisent environ 21 milliards d'euros de chiffre d'affaires hors France. Donc, c'est-à-dire qu'on exporte 7 milliards, mais on fait 3 fois plus. Voilà. Les opérateurs français que vous connaissez, je ne vais pas vous les citer, font 3 fois plus de chiffre d'affaires hors France. Hors export. Enfin, je termine mon speech sur l'Amérique du Sud. Même si ça me fait peine de dire ça, le Brésil en ce moment souffre beaucoup, comme vous le voyez, on va y aller faire Lula en ce moment, mais ça fait quand même depuis la Coupe du Monde que le Brésil décline, ce qui n'est pas du tout surprenant, hein, vu vraiment le déficit d'infrastructures, le déficit de plans à long terme qui ont été faits au Brésil sur les dernières années avec des politiques très populistes. C'est malheureusement, enfin, c'était assez prévisible. Donc ça se casse la figure, il faut plus de maîtrise du réel, plus de maîtrise de l'inflation et une récession pour un pays émergent, ce qui est important. Mais néanmoins, le Brésil, ça reste le 7e pays mondial, ça reste plus de 200 millions d'habitants, donc ça reste quand même, là c'est un effet mécanique, démographique, beaucoup de gens à toucher. Je suis en retard. J'en ai pour 5 minutes. Maxi. D'accord. Donc très vite là-dessus, l'Argentine à côté qui, là en général, quand l'un va bien, l'autre va mal, comme ça se déteste. Quand le pape a été choisi, c'est vécu au Brésil comme une grande défaite, comme il est argentin. L'Argentine va mieux avec Macri au pouvoir, on s'ouvre, faible Gini, donc peu de disparité des revenus, pays des parapétants qui est bien plus développé qu'au Brésil, lever les taxes à l'exportation, ouverture du pays, mais qui souffre quand même encore de tensions fortes entre les Mercosur. Ça pour vous dire que, quand on pense à l'Amérique du Sud, on pense beaucoup au Brésil et l'Argentine. Aujourd'hui, il y a deux pays qui vont très très bien et qui achètent beaucoup de produits français, qui ont un gros appétit, c'est la Colombie et le Chili, qui ont des croissances à 3-2% par an depuis plusieurs années, qui sont en très forte recherche de produits français et vers qui on fait des super performances. Plus 20% par an sur les 5 dernières années en fromage vers la Colombie, plus 23% vers le Chili. Sur les chocolats, plus 20% vers la Colombie par an sur les 5 dernières années. Plus 30% sur le chocolat, sur la BVP pardon, et sur les confitures vers le Chili. Et on a donc sans cesse des opérateurs du retail, surtout, qui nous sollicitent là-bas pour leur faire rencontrer des entreprises françaises pour utiliser des gammes de produits. Je termine donc sur, après avoir fait ce panorama rapide, sur quels sont les outils de business pour vous accompagner sur ces marchés-là. Une partie, comme vous l'avez compris, assez importante sur l'intelligence économique. On est capable de faire des veilles, on a des veilles sur étagère auxquelles vous pouvez vous abonner, des brèves gratuites sur notre site, des études de marché sur mesure. Donc on a fait la pomme de terre dans ce pays, des boulangers au Brésil, des charcuteries au Japon, en s'appuyant sur nos experts locaux et des gens à Paris qui sont experts sectoriels et de la méthodologie. On a un service réglementaire. Ensuite, on a tout volé, ensuite une fois qu'on s'est posé les questions, qu'on a eu les réponses, qu'on a choisi les pays où on voulait aller, tout le volet aller à la rencontre des opérateurs. Donc là-dessus, on organise des pavillons France ou des salons internationaux avec un très gros changement, c'est qu'à partir du 1er janvier 2017, on sera l'opérateur unique, on récupère toutes les activités de la SOPEXA sur les pavillons France. C'est-à-dire qu'en fait, tous les gros salons et événements internationaux, nous serons porteurs des pavillons France. Donc Anuga, Sial China, Foodex, Winter, Summer Fancy Food Show, etc. etc. ISM, enfin, on va parler de la liste après. On organise des rencontres d'acheteurs dans le pays où on invite des acheteurs internationaux en France une fois par mois et une quinzaine, une vingtaine au moment du sel et du Sierra Corona contre des entreprises françaises. Et puis on peut faire des missions individuelles. En gros, on répond un peu à toutes les étapes de la prospection, le ciblage comme on l'a vu, tester l'offre, c'est-à-dire que dans un premier temps, on est capable de se faire vos agents dans le pays, si vous ne pouvez pas vous déplacer, et déjà proposer votre offre aux opérateurs locaux pour avoir un retour d'intérêt. Si ça marche, s'ils sont intéressés, on vous aura l'occasion de rencontrer avec eux. On peut vous faire des conseils sur l'adaptation de produits, ou alors vous mettre en relation avec des gens qui font ça beaucoup mieux que nous, si on n'a pas le staff pour le faire, ou la capacité. Avec des partenaires locaux, on peut vous aider à vous implanter aussi, parce que sur certains marchés, type Brésil, encore une fois, produire compétitif, c'est produire sur place. Et très important, on vous aide aussi dans le suivi, parce qu'une fois qu'on a fait une mission, une fois qu'on a rencontré des
opérateur, c'est pas un one shot, ça marche pas si on ne perd pas un sou. On est capable, je vous lâche un peu de ça, on est capable de présenter l'offre française aussi comme on l'a fait pour les filières en interfilière, les filières bovines, fruits et légumes, charcuterie, foie gras, avec l'appui de France Agrumière, sur des séminaires, sur des espèces de modèles qui se développent de plus en plus, avec un séminaire technique, des opérations B2B, et une présentation de l'offre française, et tout un buzz presse. Donc là, on l'a fait au Vietnam, comme je vous le disais, sur la viande et les pommes françaises, et la charcuterie, ce qui a très très bien marché maintenant, un appel pour les produits français fantastiques. Et on est aussi porteur de la solution VIE, alors ça, pensez-y. Aujourd'hui, en fait, sur 9000 VIE, on a l'agro et son utilisateur, on n'a que 600 VIE, en gros, pour 220 entreprises utilisatrices. Donc vous pouvez imaginer le nom beaucoup, avec Tadis, Carrefour, etc., mais quelques plus petits. Mais quand même, sur les PME et TI agro, on a plus de 25% de montants de départ en VIE. Donc c'est un outil fantastique, un VIE, quand même, pour un nombre aller chercher des marchés et explorer. Voilà, je termine en vous disant déjà merci pour votre attention, désolé d'avoir parlé très vite. Vous pouvez suivre notre actualité sur notre compte Twitter @BFFood. Dernière chose, nos opérations, notre travail, l'efficacité en est mesurée par un institut de sondage qui a 6 mois, 1 an ou 2 ans, va avoir tous les entreprises, enfin, la plupart des entreprises avec qui on a travaillé de façon anonyme pour remonter en fait quelle est l'efficacité de ce qu'on fait. Et sur l'année 2015, la filière alimentaire est venue à score parce qu'il en est sorti que 78% des opérations qu'on fait débouchent sur un cours en affaires. Voilà. Merci pour votre attention. Bonjour. Donc moi, je vais vous parler assez rapidement avec vous du comité Rhône-Alpes-Gourmand. Alors, comité Rhône-Alpes-Gourmand, qui s'appelle depuis quelques jours Rhône-Alpes-Auvergne-Gourmand. Actualité des régions oblige. Donc, qui est Ronald Legourmand? Nous sommes un comité de promotion agroalimentaire. C'est une structure indépendante qui, à son origine, était une structure interconsulaire et qui a évolué depuis 2014 vers une association privée avec différents intervenants et différents administrateurs. Mais les chambres consulaires sont toujours présentes au sein du conseil d'administration de Ronald Legourmand. Alors nous travaillons en partenariat et en relation étroite avec le conseil régional Rhône-Alpes-Auvergne maintenant, puisque nous soumettons chaque année un programme d'action à son promotion au conseil régional, et ce programme d'action il est validé partiellement ou totalement par la région, qui ensuite apporte une part d'aide sur ces actions que nous mettons en place. Donc des actions de promotion collective, je le précise, nous ne sommes pas là pour promouvoir une marque ou un produit, mais pour promouvoir un collectif d'entreprises, des filières agroalimentaires, donc avant tout de la promotion collective. Donc le développement des entreprises régionales, nous sommes centre des ressources et des membres, et nous avons différentes lignes d'action. Donc la première, je l'ai dit, c'est la promotion des produits et des territoires. Nous travaillons en étroite relation aussi avec les territoires, donc aussi bien les chambres départementales d'agriculture, les chambres de métiers. Nous travaillons ensuite sur un deuxième axe qui est l'approvisionnement local. Nous faisons du sourcing à ce niveau-là. Nous avons aujourd'hui en cours un gros programme avec le conseil régional sur l'approvisionnement en proximité pour les établissements scolaires. Dont on a un petit peu parlé, ça fait partie des grands axes de la nouvelle région. Troisième ligne d'action, c'est emmener des entreprises à l'international sur des événements pour leur permettre de développer leur vente à l'export, donc notamment sur des salons. Donc, j'en ai cité quelques-uns, le début de l'Améda, on a parlé d'autres également tout à l'heure, son travail, qui est un salon mondial du vin, sur Fancy Food aux États-Unis, sur Free Logistica en Allemagne, Aluga, Foodex, Girls Food, ainsi de suite. Voilà. Donc, des salons qui sont effectivement aujourd'hui soit gérés en direct par les organisateurs, avec les organisateurs, soit par des relais comme Sopexa et Business France. Et à partir du 1er janvier 2017, Business France exclusivement. Nous travaillons aussi donc, sur l'innovation à la R&D
en accompagnement, en appel à projet. Ronald Peugourmand, à son origine, je l'ai dit, était une structure interconsulaire qui ne s'occupait que de la promotion agroalimentaire, et qui maintenant, fruit d'une fusion avec le cluster alimentaire Alira et le PEACRIT Ronald, travaille également sur l'innovation et la R&D. Autre axe de notre action de la performance économique, l'entrepreneuriat au travers de l'incubation des filières d'entreprise, avec un travail sur l'offre des acteurs préalablement identifiés et également l'attractivité des métiers, donc tous les métiers de l'agroalimentaire. L'activité de Ronald Peugourmand, de Ronald Robert Peugourmand, j'ai encore un petit peu de mal à le faire, elle se fait bien entendu en complémentarité avec tous les acteurs, les CCI, l'ARPI, auparavant les RAI, la BPI, les chambres de métiers, la chambre régionale de métiers et d'artisanat. Et notre raison d'être, c'est d'être un facilitateur pour les entreprises qui veulent soit exporter, on parle d'export aujourd'hui, mais nous travaillons aussi sur le marché intérieur, puisque nous organisons différentes opérations, je vais en parler aussi plus tard. Donc nous sommes là pour accompagner, pour assister les entreprises dans leur démarche, et vraiment, il faut avoir à l'esprit ce rôle que nous jouons, et que nous souhaitons encore jouer de manière plus présente dans les années à venir, de facilitateur pour toutes les entreprises. Alors, nos actions à l'international, puisque c'est l'international dont il est question aujourd'hui, nous travaillons sur différents types d'opérations. Nous pouvons organiser soit des ateliers d'information marché, c'est-à-dire que les entreprises sont intéressées par des débouchés dans certains pays. Nous organisons avec des réseaux d'experts, souvent Business France d'ailleurs, des réunions d'information marché avec un expert du pays qui vient parler aux entreprises qui sont inscrites de ce marché, de ses débouchés, de ses potentialités, un peu comme on a fait avec les réseaux auparavant. Alors, ça, ce sont déjà un premier type d'opération que nous pouvons proposer aux entreprises. Deuxième type d'opération, des rencontres d'acheteurs. Alors, des rencontres d'acheteurs qui peuvent se dérouler soit sur des événements, nous profitons d'un événement type salon pour organiser ces rencontres d'acheteurs sur l'événement, soit des rencontres d'acheteurs qui sont organisées aussi de manière tout à fait indépendante, avec bien entendu un pays cible et une typologie d'acheteurs qui va être choisie en fonction des attentes des entreprises qui participent. Autre aspect aussi, des missions d'acheteurs. Alors la différence entre des rencontres d'acheteurs et des missions d'acheteurs, c'est-à-dire que là, nous pouvons aussi emmener des entreprises dans le pays pour rencontrer les acheteurs sur place, in situ. Et là, on peut utiliser aussi des missions d'acheteurs avec ces entreprises en fonction de leur pays cible. Autre type d'action, les voyages découvertes. Alors les voyages découvertes, ça peut concerner la découverte d'un événement, en général d'un salon à l'étranger. Avant de monter une action collective sur ce salon, nous organisons un voyage découverte, parce que les entreprises ont un intérêt pour ce salon. Je pense au salon Anouilla, nous avons organisé plusieurs voyages découvertes, le salon Biofar également en Allemagne. Nous emmenons les entreprises sur une journée en général, un vol le matin tôt au départ de Rome, visite du salon avec un expert qui nous reçoit sur place pour organiser cette visite et retour le soir. Donc ça permet aux entreprises d'une part de découvrir l'événement et peut-être aussi, et on espère en tout cas, lorsqu'on monte cette type d'opération, de leur donner envie de participer l'année prochaine, l'année suivante, en tant qu'expo. Et puis, donc l'autre axe, qui est un axe important, la participation à des salons. Donc salons en France, et je vais parler surtout des salons internationaux. Donc là, au travers des salons collectifs que nous gérons de A à Z, nous emmenons un collectif d'entreprises. Alors là, je vous ai indiqué le CIA, le CIRA, ce n'est pas forcément les premiers exemples, mais malgré tout, le CIA et le CIRA sont des gros salons d'export. Le CIA Grand Export, le CIRA un peu moins. Nous avons des pavillons assez importants, notamment sur le CIRA, qui ont peut-être déjà vu. Et ensuite, tout type de salons à l'étranger. Donc je parlais tout à l'heure de Fancy Food aux États-Unis, de Biofar, de Fruits Logistica, donc le salon des filières fruits et légumes, salon des vins également, j'essaie
premier jour à Trovagne à Düsseldorf, Vine Expo Hong Kong également, où là nous organisons des pavillons collectifs avec un certain nombre d'entreprises. Et nous sommes je dirais, le référent pour ces entreprises vis-à-vis de l'organisateur. Nous montons l'opération de A à Z et nous emmenons ces entreprises en les accompagnant tout au long du salon. Préparation du salon et pendant le salon également, avec un savoir-faire à ce niveau-là, logistique et technique, qui nous permet de les accompagner. Donc les plus de nos actions, je viens de le dire en partie, prise en charge totale de la démarche des entreprises, c'est-à-dire que les entreprises nous confient un besoin que je souhaite exposer à Nougat, par exemple. Mon acte de gourmand s'occupe de la réservation des espaces auprès de l'organisateur et vraiment l'interface entre l'organisateur et l'exposant, et l'entreprise exposante. Nous occupons également de toute la préparation logistique, s'il y a du transport, l'aménagement des stands. On propose un aménagement packagé en général sur ce type de salon. Alors, soit jusqu'à maintenant, nous passerons dans des gros salons internationaux avec Sopexa, ça sera avec Business France l'année prochaine, ou en direct également aussi sur des stands aménagés que nous choisissons ou réservons pour les entreprises. Ça nous permet, et ça permet surtout aux entreprises, les actions dont je parlais tout à l'heure, qui sont aidées par le conseil régional, de proposer des conditions de participation, disons, préférentielles aux entreprises par rapport à une présence individuelle qu'on pourrait avoir. Une entreprise peut aller exposer en direct sur un salon, que vous, par exemple. Si elle vient exposer avec nous au travers d'un espace collectif, elle bénéficiera de certaines conditions préférentielles qui sont effectivement le fruit de l'aide apportée, de la part d'aide apportée par la région, par le conseil régional, sur cette opération. Bien sûr, pour ces pavillons collectifs, nous travaillons à la valorisation des collectifs région. Nous donnons une identité forte de la région à ce niveau-là. Et ensuite, nous travaillons également avec des rencontres professionnelles que nous organisons. Alors, ça peut être des rencontres d'acheteurs, ça peut être des rencontres avec des distributeurs potentiels, en fonction des besoins des entreprises qui sont présentes sur nos espaces. Et je le disais, nous avons, pour ce faire, un savoir-faire logistique et technique dans la préparation, dans la promotion, et nous nous chargeons également de toutes les opérations de communication en amont, avec la rédaction de dossier de presse qui est diffusée à la presse professionnelle du pays, bien sûr aussi chez nous, en France, et puis aussi rencontre sur place, éventuellement, avec des journalistes. Là, je vous ai mis quelques petits rappels de salons à l'étranger. Alors là, vous avez, pour ceux qui le connaissent, les stands gérés par les pavillons de France Sopexa, qui changeront d'aspect l'année prochaine. Nous montons aussi des opérations à l'étranger avec la GMS. Par exemple, 2014, Galerie Lafayette Berlin, une opération pour les produits de Rhône-Alpes. Il y a eu deux opérations. Une pour les produits agroalimentaires et une autre centrée sur les vins. Donc là, c'est un slide sur les vins de Rhône-Alpes qui était à l'honneur pendant une semaine au Galerie Lafayette de Berlin. C'est une grosse opération également qui a été montée avec Carrefour Italie en 2014 toujours, avec des corners de produits rhône-alpins. À l'époque, c'était des produits rhône-alpins. Ça serait maintenant des produits rhône-alpes Auvergne. Donc en lien aussi avec les enseignes. Carrefour voulait monter une semaine des produits de Rhône-Alpes avec des acheteurs qui ont sélectionné les produits. Et ensuite, ces produits ont été référencés et ont fait l'objet de présence dans un certain nombre de supermarchés Carrefour en Italie. Là, ce sont les voyages découverts. Donc, je vous l'expliquais, une petite journée, une grosse journée, partout le matin en général, de découverte d'un salon accompagné par un spécialiste qui guide les entreprises. Qui leur fait découvrir le salon, avec, si possible derrière, l'opportunité sur l'édition N+20 d'être présent, non plus en visiteur, mais en exposant. Et là, quelques photos de nos aménagements, le salon, donc le SIAL et le SIRA. Le SIRA qui représente aujourd'hui, pour nous, un événement emblématique, puisque nous accueillons
peu plus de 110 entreprises, donc grosso modo 2000 mètres carrés tous les deux ans à Lyon. Donc c'est vraiment notre vitrine et on se doit d'être présent et les entreprises répondent toujours en masse à ce grand événement que vous connaissez sans doute. Également la partie vin, mais qui aujourd'hui on va être plus centré aujourd'hui sur la partie agroalimentaire, sur la filière agroalimentaire, puisque le vin, de par une grande opposition avec l'interprofession, les ODG, la région est en train de rationaliser un petit peu les aides qu'elle peut apporter aux structures qui les offrent. Et donc là, les choses sont en train de d'évoluer à ce niveau-là. Aujourd'hui, je parle de la partie du vin, plutôt que de la partie agroalimentaire.